Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour tester un autre jeu indé au style minimaliste. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner au gameplay, je pense que ça n'a rien à voir. On va aller voir ça. Alors c'est parti, on va essayer de baisser la musique parce que je sens que je vais me faire striker en 0,0 seconde,1. Voilà, je suis désolé, peut-être que la musique est excellente, mais malheureusement si je les laisse je vais me faire totalement strike. Grand prix, course solo, chronomètre. Alors on va aller voir un petit peu ce que contient le jeu. Circuit. Qu'est-ce qu'on a en circuit? Alors on a plusieurs environnements. On a la côte, d'accord. Ok, on les a tous en miroir. On en a 5. 5 dans 4 univers. D'accord, ok. J'aime bien le style jungle. Ça rappelle les vieux jeux, ça c'est cool. Ok, donc on a 5 courses dans 4 environnements. D'accord. Par contre, je ne vois pas ma voiture. D'accord. Chaque pilote a sa voiture. Ok. Donc il y a des voitures anciennes, des voitures de course. Non, j'arrive pas trop à voir s'il y a un style. Qu'est-ce qu'on a là? On a une NASCAR, on a une Camaro, on a peut-être une Viper, l'autre peut-être une Corvette. Là on dirait une Bentley, peut-être une Jaguar au-dessus, une Aston Martin. Et l'autre, je sais pas, une Lotus Esprit. Ouais, on dirait presque une F40. L'autre, je sais plus ce que c'est, le Proto, une Celica GTR, une Porsche 911. Une Honda NSX, ok. Bon, une japonaise, une F1. L'autre, je sais pas trop. Peut-être une Trueno. On dirait une Lancia, peut-être 037 en bas. Une McLaren F1 GT LM. Une Countach, une Veyron, d'accord. Ouais, bon, bah, je vais pas toutes les faire. Ok. D'accord. Bon, et ben allez, on va tenter directement le Grand Prix. Hein. On va voir ce que ça donne. Le Tour Circuit Pro. Alors, on voit les courses qu'il y a. Donc il y aurait 4 courses. D'accord, donc il n'y a que 5 x 4. À moins que ce soit... On augmente après en level. Expert difficile. Allez, en difficile, histoire de voir. Donc et là, je choisis quel pilote je veux. Ouais, mais c'est gentil, mais je choisis quoi la voiture? On va essayer de changer. Allez, on va prendre Alexa d'abord. Modifier? Ah, on pouvait modifier, merde. Attends, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut modifier? D'accord. On peut changer la combinaison. Ok, allez, on va la laisser en rose. Oui, on a compris. Alors, stallion équilibré, accélération tonnerre, mirage vitesse, diamondback, dérapage. Ah ouais, avec des stats bien différentes. Celle-là, elle a l'air plutôt bien équilibrée. D'accord. Alors là, on voit le capot qui s'enlève, mais ils le remettent. D'accord, on a du tuning sur voiture. Ok. Ouais, pourquoi pas. Oui, j'ai pas d'argent, c'est normal. Et peinture. D'accord. On va mettre comme ça, allez hop. Ok. Ok. Eh ben on va prendre celle-là. Oui, en auto. On va déjà tester le jeu à quoi ça ressemble. Ok, donc pour un jeu minimaliste, on a quand même quelques petites choses. Du tuning. De la custom personnage et voiture. Ok, bon, ça fera peut-être pas grand-chose. Chargez votre barre de boost. J'ai pas le temps de lire, mince. Donc visiblement, les voitures ne jouent pas tellement au niveau catégorie. Hein. Une Camaro contre une Veyron, je pense que... C'est assez joli. J'aime bien le style. Alors, on nous a pas du tout appris les commandes. Alors là, il y a une Audi R8. D'accord. Wouah, le frein à main. Enfin, le frein qui fait déraper. Ok, on peut drifter. C'est pas du burn-out, mais on en est pas très loin. D'une certaine manière. Drifting queen.
D'accord. Ok. Ça se fait très bien. Alors les IA ont l'air un peu craquées vu comment elles me rattrapent, mais... Ah, d'accord. Une fois qu'on a arrêté le drift, par contre, elle arrête le drift. Hein. Ok. Le drift est très particulier parce que une fois qu'on a arrêté de braquer, en fait, elle va partir tout droit. On peut pas drifter comme un haute poursuite ou un burn-out. Alors j'ai l'impression que j'augmente ma vitesse aussi au fur et à mesure des drifts. Ah d'accord, on appuie une fois pour un turbo, ok. D'accord, les turbos ça se charge par barre. Ok. Ok, c'est pas évident. C'est pas évident, mais il y a de l'idée. Final lap, va falloir tout donner là. Hein. Ok. Ils ont ralenti, j'ai l'impression, un peu. J'ai pas de turbo. Ça va être gênant. Il y avait une belle petite ligne droite pour faire un petit turbo, là. On a du temps entre chaque checkpoint. Je vois pas trop l'intérêt. Merci, tu m'as donné un turbo, toi. Non ! Sur la ligne ! Ah, l'enfant ! J'y crois pas. Non. 3000 balles, d'accord. Bon, bah, à la retente, hein, parce que je veux pas perdre, quand même. Faut vraiment le comprendre, le gameplay, hein. C'est un peu particulier. C'est pas mauvais. Alors, visiblement, il y a un départ turbo. Je vois qu'il y en a qui démarrent très vite. Faut vraiment l'appréhender le gameplay pour après pouvoir conduire et faire des bons trucs, je pense. Succès de 15G, pilote, je sais pas quoi, j'arrive pas à lire. C'est sur mon PC, hein, j'ai pas les succès qui s'affichent à l'écran. Wouhou! Il y a des sensations sympathiques. Les contacts sont pas trop pénalisants au point qu'on s'amuse pas. Eh, hey, on se calme. Quel enfoiré, la vache, ils hésitent pas à taper, hein. Youhou! Voilà, il a essayé de me foutre en l'air, lui. Eh merde, j'ai loupé mon dérapage. C'est dommage. Je tenais quelque chose, mais le dernier virage, là, il est dur. Hein. Et il m'emmerde, hein. Une forte GT, là. Visiblement. Je sais pas si c'est nécessaire de vraiment drifter pour obtenir des turbos ou si on peut rouler tranquille. Allez, j'essaie de prendre le virage en legit. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, en legit, c'est mort, quoi. Ah, c'est dommage, ça, parce que... Ah, c'est dommage que j'aurais pu leur mettre. Ah, ils auraient été verts, les mecs. Ah, oh, ils auraient été verts. D'accord, donc legit, ça sert à rien, les virages, visiblement. C'est vraiment du arcade, du fun. À fond, ça donne quoi? Ouais, je m'en doutais. C'est un Mario Kart. Tu laisses appuyer à fond, ton kart y cale, tu appuies au bon moment, tu fais un turbo, ok. Ça marche. Visiblement, j'ai gagné du turbo aussi à l'aspiration. C'est comme ça que j'ai réussi à être deuxième.
J'aime bien les bruitages arcade. C'est dommage, c'est que je peux pas mettre les musiques parce qu'il y en a peut-être des très bonnes. Je sais qu'il y a un jeu un peu à la Outrun, mais avec un style 3D, du coup la piste elle tourne. C'est pas la voiture qui tourne presque. Je sais plus comment il s'appelle. Pas mal. Pas mal. Il y a de la difficulté, hein, parce que les mecs ils tiennent bon. Hein. Ils font jamais d'erreur. Hein. Merci pour le deuxième turbo que tu m'as offert, mec. Limite, c'est intéressant de passer dans la terre pour serrer le virage, mais putain, ils sont chauds, hein, les mecs. Hein. Ils sont vraiment chauds en difficile. Hein. J'aurais peut-être pas dû attaquer en difficile, moi. Donc là, je l'ai fait sans drift pour voir, ok. C'est ce dernier virage, faut que j'arrive à le prendre, mais sans passer sur la terre. Ah, c'est abusé, un mur, ça enlève le turbo. Oh là 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 là, mais oh, c'est punitif. Hein. Pire, les mecs, ils assurent. D'accord, faut être dans le jaune. C'est ça, les chiffres. Dans le jaune, t'as un turbo, dans le blanc, t'as rien, dans le rouge, tu cales. Ok. Ok, ah, c'est intéressant. D'accord. Au moins, il n'y a pas de t'accélères à 1, t'accélères à 2, je sais pas quoi. C'est le régime moteur. J'aurais pas dû me mettre en difficile, moi. Je vais leur regretter quelque chose de sévère, moi. Alors, je vais plus vite qu'eux avec le turbo, c'est bizarre. Ah, ça m'énerve, hein. Ça m'énerve, c'est chaud ce virage, j'arrive pas, hein. Les freins, les dérapages, je veux dire, sont très difficiles à prévoir. Je sais pas, il y a peut-être des voitures qui sont justement faites pour et d'autres non. Vu qu'il y en avait une, je crois, elle était faite pour le drift. C'est très délicat parce que il suffit d'un petit coup de stick en trop ou en moins. Et la voiture, du coup, elle part complètement différemment. C'est très très compliqué. Mais c'est pas inintéressant, ça me plaît plutôt bien. Ok, j'ai réussi à le prendre à peu près bien. Ah ouais, d'accord, toi tu me redoubles comme ça, tranquillou. Oh, l'IA, elle est craquée par contre, mais... Elle me double, elle sait même pas pourquoi, comment. Faut que je me garde un boost pour après le virage parce que si je le loupe, que je puisse foncer. Non! Wow! Non, mais c'est chaud! Ah, oui, on gagne du blé quand on est en premier. Hein. D'accord. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'aurais pas dû mettre en difficile dès le premier, moi. Je connais pas du tout le jeu, le gameplay, le truc, waouh. Mais c'est pas inintéressant. Je suis beaucoup plus séduit que par Art of Rally. Ça n'a rien à voir, mais c'est des jeux de course minimalistes, on va dire. Course 2 sur 4, je croyais qu'il y en avait... Ah non, il y en avait bien 4, oui, il y en avait bien 4. Ouais. Bah, je ferai les 4 courses et puis ça s'arrêtera là, je pense, la découverte, je sais pas, on verra. Dommage, du coup, je vais avoir la même voiture pendant 4 courses, c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est bien, c'est qu'on va avoir différents environnements, donc du coup on va quand même...
voir pas mal de choses. Après, les voitures, ça a vraiment l'air d'être des skins. À part le fait qu'elles ont des stats différentes. En tout cas, c'est pas une Ferrari contre une... c'est une Ferrari contre une Twingo, en gros. Tu peux faire ce que tu veux. Ah, il est plus facile celui-là, circuit. Hein. Il n'y a pas le virage de fin qui est super chaud, là. Toi, tu vas te manger un mur, tu vas pas comprendre. Ah, il y a l'Aveyron qui ramène sa fraise. Et je gagne beaucoup moins de turbo, j'ai l'impression. Là, je regardais pas ma barre, je regardais le circuit. Ah ouais, mais si je touche un mur, c'est vrai que c'est sanction, donc c'est peut-être aussi pour ça. Je me mange peut-être quelques murs ici. La piste est un petit peu plus étroite, peut-être. D'accord, beaucoup plus facile celle-là de course. Hein. Largement plus facile. Ok. D'accord. Eh ben, on enchaîne. Ah, il y a un petit replay aussi. Tiens, on en regardera peut-être un histoire de voir à quoi ça ressemble. Beaucoup plus facile. Beaucoup, beaucoup plus facile cette course. Ah, c'est cool. On va voir les 4 environnements normalement. Ah non, il y en avait 5. Non, c'était 5 courses par 4 environnements. Donc c'est cool, on va voir un petit peu chaque environnement, ça c'est bien. Ah, on roule dans la terre, d'accord. Ah, ça glisse la terre. J'ai l'impression que la terre glisse plus. Pas certain. Ah, en difficile, vraiment, ils sont chauds, quand même, les adversaires. Ils laissent rien passer. Hein. Et on sent qu'ils abusent un peu sur le côté Mario Kart de te rattraper. Et tout ça. Hein. Enfin, ils mettent du turbo, je pense. Hein. Je connais pas le circuit, j'ai pas trop envie de mettre des turbos en vrac, sinon ça risque de mal se passer. On en était pas loin. Ah, ça peut être très rapide comme jeu. Hein. Ah, ça peut être très très rapide. Je pense qu'il doit y avoir des trucs de dingue sur YouTube. Des mecs qui enchaînent les drifts et les turbos. Merde, j'en ai pas là. Gentil de m'avoir donné un turbo. C'est chaud, hein. C'est très très chaud, mais j'aime bien, c'est stylé. Alors je crois qu'il y a eu un DLC gratuit au fait, tant que j'y pense, je crois qu'il y a peut-être eu un environnement qui a été rajouté en plus. Il me semble qu'il y avait eu un truc, c'est un bundle, je crois, celui-là. Le DLC a dû être ajouté gratuitement. Ah, ça, c'est salaud. Hein. Ouah, c'est incontrôlable. Merci pour le petit coup. Ça va donner un turbo et une victoire. Wouhou ! DG, sprinter en série, réaliser 10 boosts en une course. D'accord, et bah c'est fait. 38 000 balles, au moins j'ai de quoi tuner la voiture. Je pense qu'on gagne moins en normal plutôt qu'en difficile. C'est assez stylé comme jeu, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si j'y passerai vraiment mon temps, si je vais le continuer, mais... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, vraiment, j'aime bien.
look so European. C'est assez fun. C'est assez fun, j'aime plutôt bien quand même. Oh, il y a une épingle. Ah, ça va aller large. D'accord, non, le circuit est très simple. Un peu trop simple, on testera peut-être une course ou un autre championnat plus difficile. Ah oui, d'accord, on l'a pris déjà ce truc-là, mais ça me semblait moins difficile à l'aller. Peut-être qu'on allait moins vite, je pense. Ouf. Ce qui s'appelle une perte de contrôle en bonne et due forme. Alors j'ai un succès encore, 10G. Merde, j'ai pas le temps de le lire, c'était sur le PC. Bande d'enflure. Turbo. Putain, je perds le contrôle quand on drift trop serré et qu'on desserre, on perd complètement l'adhérence, le contrôle. C'est bien, c'est qu'on a le petit bruit quand on débloque un turbo, on n'est pas obligé de garder les yeux. Ah putain de merde, c'est chaud. Faut que je regagne un boost là. Il est pas venu, il est pas venu, j'y crois pas, hein. Ça monte, mais il est pas venu. On va la réessayer un petit coup. On regardera peut-être le replay. Ah, c'était à rien du tout. Hein. C'était à rien du tout. Allez, on voit. What? Ah non, 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 tu te fous de moi ou quoi? J'étais dans le jaune. Non, 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 non. Ah du coup ils m'ont mis dernier vu que j'avais pas gagné la course d'avant. Attends quoi? Hein? Mais en fait je recommence la... What? Attends, je comprends pas là, ils m'ont remis à la plage, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est cette histoire là? J'ai fait réessayer la course, pas réessayer le championnat. Du coup ils m'ont tout jarté en fait. Ou alors c'est parce que quand on fait réessayer, on réessaye tout le championnat. On peut pas réessayer une course. Parce que je crois que j'ai pas recommencé celle de la jungle et du désert. D'accord. Eh ben je me suis bien fait avoir. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, je me suis fait avoir, tout simplement. Je pense que réessayer, c'est réessayer tout le tournoi. J'ai pas assez regardé ce qu'il disait. On va se mettre en normal, on va essayer de changer de bagnole. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, on peut prendre les 4? On peut prendre les 4, je crois. Hein. Oui, on s'en fout. On peut prendre les 4. Peut-être... What? Pourquoi t'es remonté? On s'en fout de toi. Toutes les voitures sont là, donc on peut prendre normalement n'importe laquelle. Lui, il a vraiment des voitures de grand prix, j'ai l'impression. La CLK, ça, ouais, c'est une GT40, peut-être. Une F40. On va voir qu'est-ce qu'on a. On va peut-être pas rentrer dedans, ça sert à rien. Une petite NSX, ça pourrait être sympa. Une Nissan Nismo, là, derrière. Une Supra. Tiens, allez, une Supra, si je peux. Ah, d'accord. Modifier, viens voir. Je peux tuner la Supra, du coup. Ouais, tout est verrouillé. Déraper pendant 250 secondes au total en furieux. Gagner un GP en furieux. D'accord, donc il y a une, il y a un niveau de difficulté qui a l'air d'être encore au-dessus alors. Ah d'accord, le capot il change, il y a des petits traits dessus. Hein. Allez, vas-y. Ah, c'est chiant. Ok. Allez, on va la tuner à fond. Internal temperature rising. Ouais, elle est en rouge. Voilà, peinture, qu'est-ce qu'on a? Ah, en toute rouge. Ouais, c'est pas mal. Il y a pas beaucoup de couleurs de dispo visiblement. Bon, on va la laisser comme ça. Allez hop.
Furieux. Ah, en furieux, d'accord, c'est parce que j'ai une voiture furieux. Ah non, d'accord, ok. Ok, d'accord. La voiture s'appelle furieux. D'accord, ça me choque un petit peu. Tiens, ça c'est une GT One, ouais. Eh ben, c'est parti. Auto, oui. Je vois pas l'intérêt d'être un manuel dans un jeu comme ça, franchement, par contre. On va essayer de faire peut-être les 4 courses rapidement. Tant pis si je les perds. L'intérêt c'est de voir d'autres courses. En plus, là je suis en normal, ça devrait aller tout seul. Le bruit de moteur est bien différent. Elle se conduit peut-être un peu mieux. J'ai pas radé les stats de la voiture, je suis allé tout debout. Aïe. Bah oui, mais je pensais que j'allais glisser un peu plus tout droit, moi. Les circuits sont sympathiques. Oh là là, mais non, mais l'IA, par contre, elle est craquée. Comment elle me rattrape? C'est pas possible, j'avais mis le turbo avant toi. Tu peux pas me rattraper, en fait. Ou alors, c'est qu'il y a un mode rattrapage à la Mario Kart. Mais c'est pas fun, ça, je trouve. Bon, après, peut-être quand on est deuxième, dernier, on est bien content, mais... Putain, mais je veux tourner, mais je veux drifter, quoi. Mais la voiture, elle drift sur place, quoi. C'est chiant. On peut pas glisser un petit peu à la Burnout ou autre poursuite. Si je mets pas de turbo, ils avancent pas, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. Ils font en sorte d'être tout le temps à côté de moi, en fait, j'ai l'impression. Si je mets pas de turbo, ils en mettent pas. Ou alors il s'arrête à côté de moi quasiment. On va essayer, je voudrais voir si je mets pas de turbo ce qui se passe. Alors c'est marrant d'avoir une caméra à 360 degrés dans un jeu comme ça. Plus ou moins 360, il y a des directions. Donc l'IA ne cherche pas du tout à me dépasser si je mets pas de turbo. Par contre si j'en mets, elle me suit, hein. Ouais, elle est vraiment faite pour suivre le joueur, quoi. C'est très arcade. C'est très 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 arcade. C'est pas anormal, hein, mais c'est assez spécial. J'ai pas mis de ralenti, du coup, pour voir, ni faire essayer, pour voir s'il me disait que ça allait reset tout le GP. J'ai pas essayé les différentes catégories de voitures, ça m'embête, j'aurais peut-être dû essayer pour voir ce que ça donne. Il y en a une qui est plutôt accélération, une qui est plutôt vitesse, je crois, et une drift. Je sais même plus ce que j'ai pris, moi. C'est un peu trop là, je trouve, les virages. Vraiment, c'est... Il n'y a pas beaucoup de virages très difficiles à prendre. Et du coup, c'est un peu... On s'emmerde un peu, je trouve. Peut-être qu'avec des voitures qui vont beaucoup plus vite, peut-être avec beaucoup plus de maîtrise, eh ben, on trace tout le temps. Mais... Je trouve que ça manque un petit peu de technicité. Même si il faut quand même maîtriser le drift et tout ça. Ah d'accord. D'accord, ça va tranquille, l'IA? Ah d'accord. Dites-moi si je vous gêne, hein. Voilà, j'ai un boost de vitesse là. J'ai pas utilisé de boost et qu'est-ce que c'est que ce délire? Je les ai rattrapés une vitesse, j'ai pas eu le temps de voir s'il y avait un truc écrit quelque part à l'écran. C'est abusé. Donc il y a vraiment un boost de rattrapage au bout d'un moment, d'accord.
Ouais. Merci de m'avoir aidé à déraper. Elle est où la ligne? Elle est là. Ok. Bon, c'est beaucoup plus facile en normal, hein. Même si l'IA reste à peu près à notre niveau. On sent que c'est beaucoup plus facile. Si je fais réessayer alors, toute progression dans le GP sera perdue. C'est bien redémarrer le GP en fait. Et ça m'a été utile pour la première course, parce que de toute façon j'étais à la première course. Donc non. Oh les cons. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il me faisait rejouer le truc. Ah, il y a une vue interne. Ah, je me rappelais plus. Ça a l'air injouable. Pourquoi il n'y a que moi là sur la route? Qu'est-ce que c'est ce délire? Pourquoi il n'y a que moi sur la route? Ah ça y est, ils me rattrapent. Je les ai enrhumés au début, c'est incroyable. Oula, les voitures, elles touchent même pas le sol. Ouais, c'est pas fifou hein, de voir des replays comme ça. Puis alors, ça change de caméra toutes les secondes. Ça fout un peu la gerbe. Quitter, continuer. On est à deux courses, je crois. Je tenterai bien une petite voiture de drift, si c'est pas ce que j'ai, histoire de voir la différence. On va essayer de finir les deux courses, là, vite fait. Je vais encore prendre 2 km d'avance et ils vont me rattraper au dernier moment. Ça a l'air d'être un peu ça. Hein. Voilà. Ils ont mis turbo sur turbo sur turbo alors qu'ils avancent pas, ils driftent pas, mais... Ou alors c'est parce qu'ils utilisent le fameux truc, le boost de rattrapage là qui s'active au bout d'un moment. Peut-être que c'est ça aussi. Voilà, là j'ai le boost de rattrapage, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je reste dans le sillon d'une voiture, je sais pas. Ça dégage. Alors j'ai mis le turbo après toi, mais par contre j'ai pas réussi à te la mettre. C'est peut-être un peu dommage quand même qu'ils mettent pas des voitures équivalentes, des vitesses contre des vitesses, accélération contre des accélérations. Oula, c'était juste. Oh, j'ai fait perdre le contrôle. Ok. Dakodak. Allez, la dernière course. C'est bien ça, hein, c'est la dernière. Je sais plus combien on gagne de points. Voie royale. Ok. Allez, on voit.
Ah, l'environnement, il est... Il est stylé, hein. Il est chargé, mais il est stylé. Voie royale parce qu'on est dans un palais, je pense. Ils ont appelé ça comme ça. Ouais, c'est vraiment quand on prend la spi, on a un boost de vitesse. Ou alors c'est parce que je suis dernier, je sais pas, je comprends pas franchement. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe là que d'un coup je gagne une vitesse. J'ai l'impression qu'il y a un boost de position. Voilà, là ma voiture, elle accélère à mort. Je comprends pas du tout comment le jeu fonctionne. C'est extrêmement arcade et du coup c'est... On sait pas. On sait pas si on pilote bien entre guillemets. Enfin, on n'a pas besoin de bien piloter du coup. Puisque le jeu va nous aider avec des boosts. Je trouve ça relativement dommage. On a combien de tours ? En tout cas, la Supra, elle a une autre gueule, hein, d'être mise en tuné comme ça. Bon, après, on voit que c'est vite fait, hein, le tuning. Hein. Voilà, là, je vois mon régime moteur, il est monté d'un coup. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est en miles par heure. Je sais pas si je pouvais y mettre en kilomètre heure. Jeu. Vibration, gamma. Commande, ouais, y a rien à changer, hein. Lâcher le baril, plaît-il? Lâcher le baril? Quel baril? Ça fait rien du tout le bouton, donc je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Oula, un peu plus, j'ai failli me vautrer. Merci, mais j'ai déjà du turbo. Un peu plus, je me faisais avoir parce que j'ai lancé les turbos au mauvais moment. 15 000 balles. Bon, bah cette fois, je l'ai gagné, ma coupe. Nouvelle apparence du véhicule furieux débloqué. Voilà, parce que j'ai dû drifter. Grand prix gagné en incarnant Toshiro. Nouvelle combinaison, d'accord. Continuer. On va juste faire une course avec une voiture de drift, histoire de voir la différence. D'accord, on a un petit podium. Je suis tellement vert d'avoir foutu en l'air mon GP alors que je l'ai terminé tout à l'heure. C'est vraiment ridicule par contre. C'est vraiment ridicule de recommencer un GP alors qu'on est à la fin et que ça nous le valide pas. On a une petite cinématique comme un jeu de combat, une espèce de fin. Comme les vieux jeux. D'accord, bon t'es bien un cyborg toi, vu la tronche, ou alors t'as les yeux qui s'allument, c'est bizarre. Ok. Bon, il est plutôt sympa comme jeu. Ça va. Voilà, j'ai ma petite coupe, là, ils me l'ont enlevé. Normal, difficile, expert, donc pas sûr qu'il y ait d'autres championnats. Ou alors, à chaque niveau boss, peut-être qu'on débloque un truc, je sais pas. Je comprends pas tellement comment ça fonctionne. Peut-être que le jeu est très court, peut-être qu'il est un peu plus long. Atelier. Véhicule, personnage. D'accord, on change de... Ok. Ok, on peut voir tous les persos comme ça, d'accord. J'avais une équilibrée, accélération, vitesse et dérapage. Eh ben, on va essayer une dérapage. Pour solo. Qu'est-ce qu'on n'a pas trop fait Allez, montagne. Ouh là là, ça a l'air beaucoup de lignes droites. Hein. Tiens, plein de virages, route gelée. Je sais pas si c'est celui que j'ai fait, allez, c'est parti. Mode de jeu arcade, policier et voleur. Échappez-vous avec l'argent ou attrapez les voleurs pour un beau gros bonus de cash. Sérieux, fonce ou explose, tenez le rythme et passez les checkpoints pour éviter d'exploser. Barrage de barils, faites la course jusqu'à une d'arrivée, détruisez vos adversaires avec les barils explosifs. Bah voilà, d'accord. Ok, il y a différents petits modes, c'est bien, mais du coup, il met pas du tout ça en avant le jeu, c'est dommage parce que ça peut être cool. C'est peut-être des DLC aussi, peut-être que ça se débloque sur les autres épreuves, s'il y a des épreuves qui se débloquent aussi. Policier et voleur. Tester, hein. Alors, en voiture de drift, c'est celle qui est devant à droite, j'ai l'impression.
Allez, une petite Porsche. D'accord. J'aime bien. C'est ça, dérapage. Modifier. Oh la vache, ça change pas grand chose. Ah, aileron, il y a des choses qui sont plus bas. Ah, mais dites-le qu'il y a des... Mais dites-le qu'il y a 50 000 choses en fait. Des bobelettes, d'accord. J'ai pas essayé la vue intérieure, tiens. Accessoires. Ça rappelle SnowRunner, c'est marrant. Mais dites-le qu'il y a d'autres choses. Vous êtes complètement con, les gars. Vous mettez même pas qu'il y a d'autres choses en bas. C'est stupide. D'accord. Ouais, en gros, chaque voiture peut être transformée. Ouais, bah, je l'ai pas débloqué celui-là. Ça ferait une belle voiture de course. Bon, c'est pas grave. Hop, on revient. On sélectionne automatique. Il y a des choses qui sont. C'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? C'est très simple pourtant. Déjà, tout mettre à l'écran, je pense que ça tenait. Là, on se croirait sur mobile. C'est peut-être un jeu mobile. Mais du coup, c'est pas clair. Fuyez les policiers. D'accord, je suis tout seul? Non, on a d'autres gars. Ah, elle tient beaucoup mieux les dérapages. Alors visiblement on a une barre de vie par contre. Par contre les policiers visiblement ne peuvent... On peut pas les détruire. Donc elle tient beaucoup mieux les drifts, d'accord. Ou c'est en train de crever, il y en a un. Ouais, et moi je vais pas tarder de l'être aussi. Ouais, mais je voulais le détruire, mais j'ai pas réussi. Et je passe. Ah, mais c'est infini en fait? Comment ça se passe? Voleur restant. Ah, c'est peut-être le dernier survivant. Wouah, comment il est venu me percuter! Toi, t'as joué à Nefesit, non? Oh, ils abusent! Ah, d'accord, te fous. D'accord! Il suffit de frotter un adversaire pour lui enlever des points de vie. Par contre, la conduite, elle est horrible. Pierre, il avance pas, le mec. Tu veux que je fasse quoi? Que je m'arrête sur le côté? Sixième, d'accord. 60... Ah non, zéro. Ah, que dalle, d'accord. Ok. Ouais. Je... Non, en fait, non, c'est pas bon, en fait. En fait, c'est pas bon, je vois pas l'intérêt. C'est rigolo vite fait, mais... Ouais, c'est très très vite fait. Hein. Très très vite fait. Aller la côte, vue sur la mer, mode de course. Je voulais essayer éventuellement fonce ou explose. Bon, c'est du survival. Barrage de baril, ouais, pourquoi pas. Ouais, il y a de la belle voiture quand même. Il y a quelques trucs sympas. Hein. Allez, la NSX. J'avais dit la NSX. Allez, la NSX. Je peux pas la modifier, je pense. Ouais, ça se voit pas. Ça se voit pas de fou. Hein. Bon, là, le pare-choc arrière est quand même nettement mieux. Ouais, c'est très limité la visibilité. Puis alors là, tout est bloqué. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Allez, je voulais essayer une vitesse. Je voulais essayer une vitesse, on va prendre une vitesse. Histoire de voir la différence. Avec le barrage de baril, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Bon, jeu sympathique, mais pas plus que ça. Quelques petites déceptions. Toujours une barre de vie. Il
Les barils, on en a pas. Je pense qu'on les ramasse à la... Peut-être à la Mario Kart, non? Alors non, je les ai peut-être débloqués avec les checkpoints, c'est ça? Par contre, il n'y a plus de tours s'il y a 3 tours. Est-ce que je débloque un baril? Oui, je débloque un baril. Je sens que je vais m'en prendre un, moi. Voilà, c'était pas loin. Allez, en plein dedans. J'ai réussi à le regarder et donc j'aurais pas cru que j'y arriverais. Ah, le mec s'appelle Aston, lui. Avec une Aston Martin, ça va, ça tombe bien. Alors, je pense que je l'ai mangé. Les barils restent sur place, en fait. Ah oui, c'est pour ça, barrage de barils. D'accord. C'est intéressant. Parce que sinon, faudrait les viser pile poil à chaque fois. Ouais, donc en fait, t'en mets partout. Tu fais le gros fumier, t'en mets vraiment au large et tu pourras même plus passer toi-même. Ça peut être risqué. Ça, c'est rigolo comme mode. Ça, ça peut être intéressant. 3 tours, c'est peut-être un peu léger, mais bon, en même temps... Beaucoup de lignes droites, on regagne de la vie à chaque checkpoint ou à chaque tour. Merde, j'ai pas voulu tourner. Eh merde! Oh, j'ai failli en prendre un deuxième. J'ai pas du tout utilisé de boost du coup. Par contre, la caméra qui se bloque. Ça, la caméra qui se bloque en fonction des petits rails là, parce que tu veux serrer un virage, c'est pas cool. Parce que du coup, tu peux pas. T'as la caméra qui déconne là, c'est pas bien du tout. 23 000 balles! Ah ouais, c'est bien payé! Une course simple, c'est vachement bien payé. Il y a moyen de farmer de fou. Ok. Bon, eh ben, on va arrêter là-dessus. Jeu sympa. Mais franchement, pourrait être mieux. J'ai pas essayé la caméra intérieure. En même temps, je la sens tellement mal, cette caméra. Ça a l'air injouable. Ça a l'air vraiment injouable. Ah non. Il n'y a pas de rétro pour éventuellement voir si tu peux balancer les bidons. Ok. Bon, mais écoutez, on se laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez du jeu si vous l'avez essayé. Moi, je suis pas méga fan, mais ça peut passer. Après, c'est du petit jeu, hein. Ça n'a pas forcément une grande ambition. Même si ils ont bossé pour quelque chose, hein, évidemment. Mais voilà, je pense que ça pourrait être un peu mieux pour quelques petits trucs à régler, mais c'est mon avis. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut.